Michel Blanc, une figure emblématique de la comédie française, nous a quittés tragiquement le 3 octobre 2024, à l'âge de 72 ans, à la suite d'une réaction allergique sévère à un produit de contraste administré lors d'une échographie rénale. Son décès, survenu dans un hôpital parisien, a laissé un vide immense dans le cœur de ses admirateurs et de ses proches. Les obsèques de ce grand artiste seront célébrées le jeudi 10 octobre 2024 à Paris. Et la question se pose. Les fans auront-ils la possibilité de lui rendre un dernier hommage? La perte de Michel Blanc est d'une brutalité déconcertante. Son ami de longue date, Gérard Jugnot, a partagé sur RTL les circonstances tragiques entourant son départ. J'ai appris qu'il avait subi une réaction allergique grave, un choc anaphylactique lié à un médicament. Ils ont tenté de le réanimer, mais la journée a été terrible et il est parti, a-t-il confié, visiblement ému. Après avoir souffert de 6 malaises cardiaques, Michel a rendu son dernier souffle dans les bras de sa compagne, Ramatoulaye Diop, laissant derrière lui une vie pleine d'éclat et de rire, alors qu'il craignait tant l'idée de disparaître. Ses camarades du Splendid, ses complices de toujours, sont plongés dans une profonde tristesse. Comment faire face à l'absence de celui qui a tant fait rire des générations entières et qui, aujourd'hui, nous laisse en larmes? Les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux et à la télévision, témoignant de l'impact incommensurable qu'il a eu sur le monde du cinéma français. Nombreux sont ceux qui ont eu le privilège de croiser sa route, d'expérimenter son immense talent et sa générosité sans limite. Michel Blanc, tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs. Les obsèques de Michel Blanc se tiendront le jeudi 10 octobre 2024 dans l'église Saint-Eustache, située dans le 1er arrondissement de Paris. Ce moment poignant sera l'occasion pour ses proches, ses amis et ses admirateurs de lui rendre un dernier hommage. Jean-Paul Rouve, présent sur le plateau de C'est l'Hebdo, a partagé sa profonde tristesse en évoquant Michel. « J'ai envie de l'appeler là et de lui dire « Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que t'es mort. » »« C'est Michel, quoi. Il me faisait tellement rire avec son sens de l'humour et sa capacité à se moquer de lui-même. Son côté hypochondriaque, c'était un véritable spectacle. C'était un immense acteur, un grand metteur en scène, a-t-il confié, visiblement ému. Initialement annoncé à 14h par Anne-Claire Coudray, la cérémonie commencera finalement à 16h, selon les informations de France Info. Pour permettre aux admirateurs de Michel Blanc de participer à cet adieu, une retransmission de la cérémonie sera diffusée sur le parvis de l'église, permettant ainsi à tous ceux qui l'ont aimé de se rassembler et de lui faire leurs adieux. Une belle manière de célébrer la vie d'un artiste qui a tant marqué le paysage culturel français.